Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Donc Marie-Christine Eustache, coach, cultivatrice de bonheur, et c'est pour l'accompagnement de famille. Donc on retrouve la fin du quatrième rendez-vous. Donc pendant le rendez-vous, eh bien on continue de faire, je continue d'accompagner Fanny à faire germer en elle, faire sortir ce qu'elle peut faire pour son projet. D'accord? En aucun cas, c'est moi qui donne les directives. Je lui pose des questions et c'est elle qui va dire, ah ben ça je peux faire, ça je peux faire, etc., etc. Donc, comme on travaille sur quelque chose de concret, sur des actions précises, concrètes, eh bien, ça permet de faire que le projet devienne de plus en plus réel. Et donc, je lui laisse la parole, ou je vous laisse découvrir ce qu'elle en dit. Ah, il a complètement. Oui. J'ai l'impression, oui, d'avoir encore un peu plus de pierres de poser autour de moi, bah, d'avoir un peu plus de racines aussi qui commencent à. Super confort, du coup, c'est aussi bien. D'accord. Parce que j'aurais vraiment l'impression d'avancer encore un peu plus. Mais en tout cas, je sens que ça me challenge un peu et ça me plaît bien. Et puis surtout, je sens que ça s'étoffe en fait. Bah, je suis plutôt enthousiaste en tout cas. Ouais, c'est l'émotion qui ressortirait de la séance. Et oui, ça stretch un petit peu, ça challenge, c'est un petit peu inconfortable du coup de passer aux actions parce que quand on passe de quelque chose dont on rêve, c'est limite un fantasme. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on a vraiment envie que ça se réalise? Bah, quelque part oui, puis quelque part non. Et là, de poser au fur et à mesure les choses, elle dit elle-même, voilà, j'ai plus de pierres, je sens voilà, que mon projet prend racine, que je me sens plus stable, ok, les actions, c'est un petit peu inconfortable. Bah oui, parce que quand on a vraiment envie de réaliser un projet, bah, il va falloir avancer. Donc, il va peut-être y avoir des choses à faire qui ne sont pas super confortables. Et on reste toujours dans cet environnement, pour les personnes qui font des accompagnements pour les premières fois, on reste toujours dans cet environnement de... C'est un petit peu challengeant, c'est un petit peu, ouais, je ne sais pas trop où je vais mettre les pieds, mais j'y vais. Jamais on ne va dans le truc, ah ouais, non, 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 ça c'est trop compliqué, ça c'est, non, ça c'est trop lourd, c'est trop, le fossé est trop grand, ok, non, dans ce cas-là, on fait des marches plus petites, d'accord? Puisque l'objectif, c'est que Fanny, elle prenne confiance en elle, qu'elle se rende compte qu'elle peut le faire, elle peut faire les choses toute seule, elle peut avancer. Là, je suis là pour l'accompagner, pour gagner, retrouver cette confiance qu'elle a en elle. Elle a les compétences, elle peut le faire. C'est juste que bah, c'est un peu timide encore et l'objectif du process, c'est justement de lui mettre en lumière. Simplement, elle va se rendre compte toute seule que ouais, je peux le faire, je peux réussir, je peux y aller. Et puis maintenant, bah, c'est juste moi qui peux faire les actions. Voilà. Et donc, c'est elle qui passe à l'action. En aucun cas, je ne peux faire les pompes à sa place. Pas plus qu'à la vôtre, d'ailleurs, qui regardait la vidéo. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner pour avoir la suite des aventures. Et donc, je vous retrouve dans les prochaines vidéos sur donc, le cinquième rendez-vous. Bonne journée, à très bientôt!